Good morgen, Aleid, un étude aujourd'hui. Les Lunishmat Dov, Ben Yudit, Evad Abraham, Ben Chedva, Chay Esther, Bat Myriam, Yitzhak Petz, Ben Fortuna, Chay Michael, Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions au Masechet Shabbat, Perek Yud Dalet et Mishnah Gimel. En Ochlin Ezovion Be Shabbat. Le fils Shenom a Chal Beriim, Aval Ochel Wet Yoezer, Veshote Abu Vroe. Kol Ochlin Ochel Adam Lirfua, Vechol Amashkin. Choté, chutz mi medekalim bekosikarim, mi pene shehen liroka. Aval choté ou medekalim litzmao, vesach shemen ikarin, shelo lirfua. Bon, si on essaye d'expliquer à chaque fois la Mishnah, comment elle s'enchaîne avec la précédente, là, cette fois-ci, je lève le drapeau blanc parce que ça ressemble un petit peu, mais bon, c'est un peu. Je commence à traduire directement la Mishnah, d'accord? Et la Mishnah m'enseigne, en ochlin ezovion be shabbat. Alors, il y en a qui disent Ezovion, regardez le Barthénoïg, il écrit Ezov Yavan. Si c'est Ezov Yavan, c'est un peu plus facile, parce que Ezov, on sait ce que c'est plus ou moins. C'est de l'isope. Comme on fait les aspersions avec la paradouma et avec le Metzora, il y a marqué où le terme Agudat Ezov, c'est écrit cette fois-ci en Mitzrayim, en Égypte, quand il fallait mettre sur les linteaux de la maison. C'est aussi Ezov, c'est traduit par l'isope, par le rabbin Zadok Kan. Et donc, Enochlin Ezov Yavan, mais Shabbat, on n'aura pas le droit de manger cette isop Yavan de Grèce. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais Shabbat, à Shabbat, en tout cas, le principe, il est là, parce que, Leti Sheino Machal Brim, parce que ce n'est pas une nourriture consommée par les gens en bonne santé. Et là, on touche à un sujet très important pendant Shabbat, très vaste. Il y a plusieurs, il y a deux gros simanim dans le Shurnaur. On en parle dans plusieurs endroits. Il y a l'interdit de se guérir à Shabbat. Qu'est-ce qu'on a le droit de prendre comme médicament à Shabbat? C'est toute une histoire. Pas tout est permis. Il faut apprendre la lachot. On ne va pas le faire dans le cadre de notre Mishnah. Il y a juste que c'est en rapport avec ça. Tout ce qu'on prend pour se guérir, dans la mesure où on ne va pas être alité pendant Shabbat, on est plus ou moins en santé, on se sent juste un peu mal, on veut manger quelque chose pour pouvoir se débloquer. On est un peu constipé, en l'occurrence, je crois que c'est ça le... Non, excusez-moi, le ezovion, c'est quelqu'un qui sent qu'il a des tolaïm dans le ventre, il a des vers dans le ventre. Comme les enfants, ça leur arrive d'avoir des trucs comme ça. Et bien voilà. L'usage, il était de manger, donc, cette isope grecque, Ezoviavan, pour se guérir pendant Shabbat. Et c'est interdit Shabbat, parce qu'on va pouvoir se guérir pendant Shabbat. Sauf si on est alité. Après, c'est encore d'autres principes, en tout cas. Avaler des médicaments, il y a une zéra de Mishum Shrikat Samamanim. De peur qu'on va moudre des Samamanim. Des ingrédients, des composants de médicaments. Donc moudre, c'est un interdit de tochen, de moudre pendant Shabbat. Et donc, on n'a pas à être amis, mais on fait une zara qu'on ne se guérit pas pendant Shabbat. Sauf si, comme on a dit, on tombe à l'ité. Et voilà. Parce que donc, et maintenant, la Mishnah enseigne. Donc tu veux manger quelque chose, c'est rien de grave, il n'y a aucune préparation. Non. Tu le manges, c'est quelque chose que tu manges, qu'on sait pertinemment que tu le manges parce que c'est pour te guérir, parce que personne de normal mange ça autre, à part toi. Eh bien, c'est interdit pendant Shabbat. Par contre, aval ochel hu et yoezer vechote abouvroé. Par contre, il a le droit de manger un yoezer. Alors, je ne sais pas si ça sert d'essayer de traduire cette fois-ci, parce que là, c'est vraiment un yoezer. Il traduit en poulio, en. Je sais pas ce que c'est. Du rosmarin, je crois qu'il traduit. Wilder rosmarin. Palier, en yiddish. Si ça vous aide. Palier kreut. Le principe là-bas, c'est que ça. Celui qui a des vers dans le foie, cette fois-ci, alors je ne sais pas ce que c'est comme maladie, Baruch Hashem. Et donc celui qui a des vers dans le foie, eh bien il mange cette fois-ci le yoezer, et ça le guérit. Et ça a le droit de le manger. Pourquoi? Parce que c'est des gens en bonne santé qui mangent ça. Imaginez quelqu'un qui manque de fer pendant Shabbat, et je crois que la betterave, c'est bien, donc du coup ils vont manger plein de betteraves. C'est permis. Pourquoi? Parce que même les gens en bonne santé, ils mangent aussi ça. Donc tu ne fais pas une action où on voit que tu es en train de te guérir en ce moment. Et même principe avec le choté abouvroé. Alors, c'est qu'il boit du abouvroé. Ça a un peu traduit le abouvroé. Il y en a qui traduit ça en deux mots. Abouvroé. Et comme ça, il rapporte le arour. C'est rapporté ici dans le Melechet Shlomo. Qui en fait, c'est un bâton de berger. En fait, on parle d'un. Concrètement, on parle d'une eau qu'on fait cuire avec. Non, plutôt. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on mange. C'est un végétal. C'est un végétal, je crois qu'il faut le manger en le faisant cuire dans l'eau. Ouais, exactement, c'était le Tifa Israël qui explique ça. Alors celui qui a
qui s'est fait piquer, non, plutôt qui a avalé du venin de serpent, c'est-à-dire qu'il a bu de l'eau qui était restée découverte, et qu'il sent qu'il est en train de ça va mal, eh bien, on prend de ce bois-là, on le fait macérer dans l'eau, et on le boit pendant Shabbat. Ça s'appelle du abouvroé. C'est un bois spécial qui pousse sans feuillage. Ça peut ressembler un peu à des canimes, à des... D'accord, j'ai pas le mot. Du roseau. À des roseaux qui ont pas... J'imagine quelque chose comme ça, plus ou moins. Ça a pris le nom de abouvroé, des bâtons de bâtons de berger, parce que c'est pratique, c'est lisse, et il marche avec. Et voilà. Donc, le principe, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, c'est que, puisque c'est une nourriture que même les gens en bonne santé les mangent, tu as le droit de manger, même si ton intention est de te guérir. Kola ochaline, c'est là la généralité, kola ochaline ochal adam lirfoa, tous les aliments consommables qu'on a l'habitude de manger, ochal adam lirfoa, non mais il aura le droit de les manger pour sa bonne santé, ochal amashkin choté aussi, il pourra même boire aussi tous les liquides. Chutz mi med kalim vekos ikarim, à deux exceptions près, s'il va se mettre à boire de l'eau, mais qu'en réalité c'est de l'eau qui vient de med kalim. Med kalim, la Gemara raconte, on parle qu'il y avait un endroit, je ne sais pas où, en Israël ou en Babel, à Babylone, un endroit où il y avait deux arbres qui poussaient là-bas, il y avait une source qui jaillissait, et il y avait une eau très spéciale là-bas, que si on la buvait, quelqu'un qui était un peu constipé, il boit une fois, il vide, deux fois, je ne sais plus comment il dit, alors c'est encore mieux, et trois fois, il récupère de l'eau limpide comme il l'a fait rentrer. Et là, tout le monde sait très bien que si tu bois cette eau-là, c'est parce qu'en fait, c'est que pour te guérir, donc c'est interdit pendant Shabbat. Kos Ikarim, on passe cette fois-ci d'une femme Zava qui a des écoulements à n'en plus finir, qui est plus du tout organisée, ordonnée, d'accord. Elle ne sait pas qu'elle a un cycle, elle a sans arrêt des écoulements. Elle boit un Kos Ikarim. Kos Ikarim, ça s'appelle Kos Ikarim, un verre de Ikarim. De racine, mais en réalité, c'est plutôt dans le sens que c'est Me'aker. C'est un verre qui peut faire qu'elle ne va plus avoir d'enfant. Et la Gemara raconte qu'en réalité, même en Chol, un homme n'a pas le droit de boire ça. Parce que même si là, ça peut lui apporter certains apports, mais un homme, il n'a pas le droit de se castrer. C'est un interdit de la Torah, on n'a pas le droit de castrer aussi. C'est déjà, je fais une petite parenthèse, parce que je sais, je connais un bon juif qui avait une chatte à la maison, et il en avait marre que tous les ans, elle lui faisait des bébés, et du coup, il est parti la castrer. La faire castrer chez un vétérinaire, il y a un interdit de castrer. C'est un interdit de la Torah. Et je ferme la parenthèse et je reviens tout de suite. De nouveau, la Mishnah me dit, bah, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui va faire que maintenant, tu ne vas plus pouvoir avoir d'enfant. Donc, même si c'est pour te guérir. Ok, et la Mishnah explique en réalité, on parle là cette fois-ci que soit d'une femme qui n'a pas d'obligation de se reproduire, c'est que l'homme qui a la mitzvah, et ceux qui pensent que l'homme et la femme elle a la mitzvah de se reproduire, alors il faut dire qu'on parle ici d'une vieille femme ou d'une femme qui est de toute façon stérile. D'accord. Et en tout cas, Mipene Shem Liroka, la Mishnah me dit, ces deux eaux-là, donc le Medkalim et le Kos Ikarim, un verre d'eau qui a été où on macéré dedans ses racines, eh bien, même s'ils sont bons pour. Tu n'as pas le droit de voir parce qu'ils sont. Mais Pnei Shem Liroka, ils sont pour celui qui est Hiroka. Alors c'est une sorte de maladie où on devient vert, je ne sais pas exactement, c'est en rapport avec la digestion, je ne sais pas comment. D'accord, c'est les moquers. Aval achoté medekalim litzmo. Par contre, celui qui va boire des medekalim litzmo. Par contre, alors là, grand chidouche. Moi qui suis en bonne santé, concrètement, j'ai rien à manger, j'ai envie de me mettre un petit truc dans la bouche. Est-ce que j'aurais le droit, moi, de prendre ces aliments-là qui sont spécifiques pour les gens malades? Et la Mishnah me dit, oui, tu as le droit. J'ai le droit, moi, de boire des medkalim lismo. Si j'ai soif, et puis bon, j'ai soif, je vais mettre à boire cette eau-là qui va vider le ventre. Et malgré tout, bah, moi, si je suis en bonne santé, je ne suis pas malade, j'ai le droit de le faire. Mais aussi, même principe, vesach shemen ikarim shalol irfoa. Et aussi, toi-même, aussi, le droit de prendre cette huile de... si c'est une huile, alors là, du coup, on découvre que c'est en fait une huile. Je ne sais pas comment ça s'arrange, les détails comme ça. En haut, on parlait d'eau, et maintenant on parle d'huile, je sais pas comment ça... D'accord. Alors, de la Michelle m'enseigne de toute façon, sache que tu as le droit de moindre cette huile. Si tu es en bonne santé, tu as le droit de la moindre, même si concrètement, c'est quelque chose qu'on utilise pour les gens malades, uniquement. Si ça te prend de vouloir le faire, tu as besoin, tu as la peau un peu sèche, tu pas d'autre huile, tu veux un petit peu... alors, tu as le droit d'utiliser cette huile, parce que toi, qui n'es pas malade, tu as le droit de prendre ces aliments qui sont spécifiques pour les malades. C'est-à-dire, en fait, si je récapitule un petit peu. Se guérir à Shabbat pour quelqu'un qui ne va pas être malade au point d'être alité, eh bien, il n'a pas le droit de se guérir pendant Shabbat. Il a le droit, par contre, de manger des aliments qu'il est d'usage de manger. Par contre, des aliments qu'il n'est pas d'usage de manger, qu'on mange uniquement lorsqu'on est malade, ou en pas d'accord, alors dans ce cas-là, il y a un interdit de le manger à Shabbat, mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui veut malgré tout manger ces aliments, il aura le droit, lui, de les manger.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlachakot, tout ça va.